Je le fais parce qu'il y a des gens qui ont des armes. Il a fait un stade à quoi? C'était plein à quoi? Voilà, ça y est, il vient pas. C'est plus un secteur. Ouais, tu vois, regarde mon ancien conseil, s'il y avait un t-shirt vert ou jaune, musique comme ça, vert ou jaune. Souviens-toi de ton ancien avec la tunique vert ou jaune. Tu comprends que tes actions, quand je dis aujourd'hui que Thibaut, c'est l'inspirateur de toute la génération musique nouvelle qui marche aujourd'hui, et dès que je pèse mes mots, que je suis prêt à m'asseoir avec n'importe quel. Personne sur un plateau de télé peut démontrer ça par A plus B. Que tu vois expliquer toute la génération ici. Et que la preuve, si je marche, et si vous suivez ces enseignements, ça va marcher. Ne discutez pas les enseignements du maître. Quelqu'un qui a fait ça marcher, on ne fait pas les plans. Je donne des exemples simples, je te donne des exemples. Thibaut, un artiste de sa génération le plus jeune, boycotté par les médias, hein, mais le numéro 1 dans la rue. Hein? Parce qu'il arrive à faire de la satire sur la société, employer des thèmes, des expressions de la rue et des thèmes ironiques. Malone Survivor, artiste de sa génération, écouté par les médias, hein, adulé par la rue, qui arrive à faire la satire de la société en utilisant des mots, des expressions de la rue. C'est-à-dire que je ne... L'histoire de Thibaut, c'est une histoire à raconter pour inspirer les autres générations. Il faut l'écrire et la raconter. Je ne discute avec personne. J'ai dit que c'est une histoire qui va inspirer aujourd'hui. Hein? Dans 10 ans, cette même histoire va encore faire des stars. Dans 50 ans, cette même histoire va faire des stars. Parce que chaque fois que quelqu'un aura, va s'asseoir une minute et te dire, attends, il faut que je m'enseigne et que j'écoute l'histoire d'un petit pays pour avoir réussi dans la musique. C'est la formule magique. Aujourd'hui, ce que tu as fait avec le cercueil, hein? Si je te dis que 25 ans plus tard, Nicki Minaj fait cette même entrée, hein, au BET Award, même entrée de Nicki Minaj, au MTV Award plutôt, le cercueil, même, tu vas être étonné, tu vas voir qu'elle a triché, va sur Facebook, tu vas voir. Je dis que c'est incroyable, et aujourd'hui ils appellent ça l'entertainment. Mais tu as déjà créé tout ça, le buzz. Qui a créé le buzz au Cameroun? Qui a amené le buzz? Qui est l'homme qu'on veut rester? Moi, c'est le mec. Tu vas faire quoi?
Tu crois que c'est un hasard si dit Asta? C'est que l'inspiration, hein, cette image, il n'y a qu'une seule personne dans le monde qui a fait la même image. Non, je vais te montrer à quel niveau vous étiez loin. Il y a un Français qui s'appelle. Comment s'appelle là? Paul Naref. Michael Paul Naref. Tu vois à quel point je te suis. Hein, Pivot. Il n'y a que deux personnes dans le monde qui ont fait cette image. Michael Paul Naref, Petit Pays. Et ça, c'est les références les plus élevées de l'histoire de la musique. En France, Paul Naref ne fait pas la communication de ses concerts. Il remplit les zéniths comme ça. Au Cameroun, Petit Pays, c'est au toit, au sommet. Tu vois, tu es détonnant. Tu vois, tu es détonnant. Parce que celui qui part, il dépasse le toit, il se met sous la pluie. La pluie, le tape, le tournant, le tue. Tu es détonnant parce que tu es le toit. Tout ce qu'on va payer, tu vois, déjà fait. Moi, j'ai compris ça. Hein. J'ai dit aux gens que, les gars, laissez les trucs. Enseignez l'histoire de Tibo, laissez le bavardage de l'Empire, vous avez créé quoi? Un homme arrivait à un niveau où Internet n'existait pas, le câble n'existait pas. Hein? Mais il arrivait à être en symbiose avec des artistes qui sont aux États-Unis. C'est-à-dire que Michael Jackson réfléchit, Tibo réfléchit la même chose au Cameroun. Vous ne pouvez pas reconnaître ça. Vous voulez vous inspirer de ce que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire qu'il y a une voiture qu'on appelle la Starlet Petit Pays. Ouais. Non, pas besoin de avoir. C'est parce que Tubo a donné un sens. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un niveau où tout ce que Tubo touchait, hein, il pouvait s'imprégner de la chose à tel point que ça devient un phénomène social. Les gens voient ça comme ça, ils disent, de toute façon, moi, on peut minimiser tout, machin et tout. Mais je vous dis la vérité, moi, Malors. Hein, ne cherchez pas l'inspiration, moi. L'inspiration est là. L'inspiration est même encore vivante. Profitez, moi je profite. Hein. Si le vent Tibo, je profite. Hein. Chaque parole que tu veux sort sacrée pour moi. Dès que j'enregistre ça, c'est bon. Les autres, vantez-vous, c'est ici là-bas. Ouais, dans la cité. Ouais.